Et là en 1400, c'est mec c'est indescriptible parce que t'es en boîte mécanique donc tu sais tu te mets genre en 3, t'accélères, tu vois les gars, ils arrivent à 200 et en fait toi tu les doubles. Et là je sais je balance un truc pour déconner, et je lui fais bah tu me donnes une STO, une SVJ. Et il appelle eh, Mario, il appelle un mec et tout, il va lui chercher les deux caisses. Non. Et en fait j'avais les deux caisses pendant plusieurs jours tu vois. Être bon. Ouais hey. tu fais peur au B, là. Action, réaction, pour l'instant, et voilà, <laughs> bienvenue, ça va les gars Ça va et toi Ça va, on a une grosse nouveauté là, ah, ah, on a attention. finalement... Après, bon, oui, il risque d'avoir quelques interventions de la part de Siska le chien Parce pendant qu ce podcast. Il y a des oiseaux qui il ont des oiseaux. oiseaux ouais. Ça fait bizarre de ne pas tenir un microphone. Ouais, c'est vrai que je suis en train de m'occuper les mains avec un ouais. câble. <laughs> mais enfin, on a eu beaucoup, beaucoup de demandes. Il vous faut des nouveaux micros, ouais. euh, les podcasts, les sujets et, tout, et tout. Tout ça, ça va bien. Mais par contre, les microphones, ça ne va pas du tout. Dont Logitech France qui regarde euh, les podcasts et qui nous envoie ses nouveaux microphones. Donc normalement les gars, vous allez mettre en commentaire dites-nous ce que vous en pensez. Dans ce podcast, on devrait avoir un meilleur son. Et voilà, on est à Saint-Tropez, il y a un vent monstre dehors, <laughs> donc vous allez peut-être entendre entendre une rafale Entrendre... <laughs> entre une rafale de vent pendant pendant ce podcast. Vous ça va Ça va très bien. Ouais. Écoute, euh, on ne peut mieux on peut mieux. <laughs> on a un invité très spécial avec nous aujourd'hui. Je sors mon iPhone, comme vous connaissez la tradition, j'ai ma petite intro que j'ai écrite. On a déjà passé <laughs> deux jours ensemble, mais donc on va faire le débrief sur nos deux journées ensemble et plein, plein d'autres choses. Alors avec plus de 350 000 abonnés sur YouTube, ces vidéos YouTube ont aidé à guider nombre d'entre nous dans l'achat d'une voiture. Des citadines au Bugatti, il a tout essayé sur sa chaîne, on a hâte d'entendre ses anecdotes. Faites du bruit pour le vendeur automobile. Oui, le vendeur auto. <laughs> oh oui, fifi, oui. C'est bon, je suis là. Oui, Fifi. Ouais. Bienvenue. Elle, elle applaudit avec nous. Oui. Bienvenue, tu as ton casque ouais, juste là. Belle lâche. Oui jusqu'à elle, ouais, elle lui disait bienvenue, c'est rien. Ouais, elle Welcome est... sur propulsion, ton microphone tu es juste comme tu veux. C'est la première fois qu'on les énorme. utilise, donc c'est un peu de l'impro à ce niveau-là. Je pense que c'est bon. Est-ce que tu t'entends bien? Comme, ça, un poil, hop, là, vers comme ça. Bouche. Ouais. Ça va. Welcome sur Propulsion! Bah merci les gars, c'est cool de me recevoir. Ah bah ça fait trop plaisir. Ça fait... Nous on s'était rencontrés rapidos au, au salon de l'auto. C'était la première fois qu'on s'est vu. À Paris ou à Genève? À Paris. À Paris, à Paris ouais. 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 Et ceux qui le ils le font toujours? Je crois, ouais, cette année, mais c'est pas à Genève. Oui, c'est à Dubaï, c'est ça. Ouais, c'est ça, j'ai entendu dire, ça partait à Dubaï. je trouve ça. C'est le salon de l'auto, mais à Dubaï. Salon de Genève à Dubaï. Salon de Genève à Dubaï, nickel. Absolument. Le Paris-Dakar, il se fait plus entre Paris et Dakar. Exactement. Ouais, les choses se modernisent. Ouais, mais bon, ils sont passés un peu quand même du coq à parce que Genève et Dubaï, On est d'accord, on est d'accord. J'avoue. Et on s'est vu là-bas, on a discuté un peu. Après, tu es venu, tu as filmé ma M3 Touring, là. Ouais, exactement. J'ai filmé ta super M3 Touring. En fait, c'est ce qui est ouf, c'est que toi, euh, tu as été l'une des premières personnes à la recevoir en France. Ouais. Même BM France a même pas organisé d'événement sur le M3 Touring pour l'instant. C'est quand même dingue ça. J'ai ouais. eu beaucoup de chance. Euh, je, honnêtement, je sais même pas trop comment ça s'est passé. C'est grâce à Edouard, ouais. notre ami chez BM Nice, mais euh, il m'a bien arrangé là-dessus là et, et j'en ai pas encore croisé une autre c'est vrai que même moi et en plus je suis allé à l'événement BABM, ils ont fait ils ont posé, ils ont présenté la nouvelle M2 et la, le nouveau gros là le il XM le XM, XM. Ouais. C est C est énorme énorme c'est ouais. ouais. un camion un prix de malade genre. <laughs> et ouais, ça ils coûte ont combien ça ça coûte 180 000. Ouais, 180 ouais, 180 000. et euh, et du coup ils présentent ces deux voitures et moi j'étais en mode euh, et la M3 euh, on l'a jamais présenté <laughs> C'est vrai ouais, qu'ils euh... qu n'ont jamais fait un truc autour de la M3 Touring. Il y a, les... il y a plein d'essais. En Angleterre, ils ont fait tous les trucs presse. Donc il y a 1500 vidéos qui sont sorties en même temps en anglais. Mais parce qu'en fait, en France, tu n'as plus d'enjeux sur ces voitures de sport. C'est ça, ah ça le truc. Aujourd'hui, ils se basent sur l'électrique, sur, euh, sur tout ce qui est hybride rechargeable, Et, euh, hybridation simple ils n'en font même pas. Et en fait, tout ce qui est voitures de sport, tu as un malus énorme en France. La tienne ouais. en France, c'est quasi 60 000 euros entre le malus écologique <laughs> et la carte grise. Et même quand t'as l'argent, 60 000 euros, t'as pas envie de mettre là dedans. Non, je... mais c'est un truc de fou. Tu peux ah faire une grosse soirée quoi avec 60. 000. Ah ouais, là <laughs> peux faire pour grosse soirée. Mais c'est surtout quoi. que c'est 60 000 euros. Tu vois si si c'est dans le prix d'une voiture ou quoi, tu peux peut-être en récupérer un peu à la revente. Ouais. Là, c'est 60 000 euros. Tu les tu, tu les revois plus ah jamais. Disons oui et non. Il des en des en France, il y a des voitures qui sont vendues avec. Malus payé, ouais, donc exactement. bien sûr ça donne une, un petit premium en plus parce que les, les gens, gens ont, les ont déjà payé ouais, ça. Correct. Après le malus, j'ai parlé avec un gars qui a une M3 mais pas Touring, qui a une société qu'il a mis sur sa société française là mm -hmm. la M3. J'ai mis un malade mec, il m'a dit bah en fait quand il pense, donc je, je connaissais pas du tout ce point de vue. Il me dit quand il pense, tu vas, tu payes des impôts sur ta société. Donc, en fait, que tu mets 30 000 euros de plus dans, dans cette voiture de malus, en gros, ouais. ça tu, tu payes moins d'impôts. Je dis, ouais, bon, moi, 30 000 euros, je préfère acheter une autre voiture, tu vois, avec ces 30 000 euros. Mais, mais c'est vrai qu'en fait, lui, il pense autrement. Il s'est mmh. dit, euh, bah, je mets 30 000 euros de malus, donc j'ai ces 30 000 euros d'impôts en moins, en gros. Ouais, alors après, pas, hein. en fait, si tu tu as plusieurs frottements à prendre en compte. Tu as déjà le malus écologique, bien sûr, la carte ouais. grise. Tu as aussi euh, les avantages en nature. Et t'attaques sur les véhicules de société à prendre en compte. Ouais, et ouais. quand tu mets ça bout à bout, c'est ouf. Et d'ailleurs, mec, j'ai vu un truc de fou il y a pas longtemps, je pensais à toi. Ils ont sorti une M3 Touring de place en France pour hein justement les sociétés. Ah ouais. <laughs> ouais. Et en fait, il <laughs> y, a, y a des mecs, ils en ont commandé plein, il y a un spécialiste français qui, euh, qui prépare ça, il fait beaucoup de véhicules commerciaux. Et donc, oui, ils, ouais. ont en, ils ont des M3 Touring. Deux places. Et quoi, d'ailleurs, c'est comme un, une, un, un énorme coffre. C'est un énorme Et coffre. Et c'est quoi C'est ouais. une option quand tu commandes ta M3 Touring Ouais, en fait, tu peux commander ça euh, chez ton concessionnaire, qu'appelle ce préparateur. J'ai oublié le nom, mais il ne fait que des véhicules commerciaux. Okay. Et en fait, à l'arrière, tu as, as une banquette complètement plate. C'est une voiture hein. commerciale. Ouais, pour pour l'atmosphère green, Donc, attends, euh... ça serait parfait. Ouais. Ouais, le nouveau, ouais, voilà. le nouveau je... Berlingo. Et du coup, je ne paye pas de TVS. Non. Et je ne paye, paye pas de malus à l'acquisition. Mec, je vais acheter ça direct. Ouais. <rire> <rire> je ne prends plus personne dans ma voiture, j'ai juste un énorme coffre. Ouais, ouais. C'est <laughs> ouf, ouais, je trouve ça cool. T'en as pensé quoi de la M3 Touring toi qui parce que toi, tu as, as quand même... Tu n'as pas juste roulé, tu as vraiment essayé presque tout. Quoi. Donc Donc euh, ouais, enfin, une, une, une une mais... Très longue liste de voitures. Donc comment, comment est-ce que... Parce que j'ai regardé les, les tests euh, en anglais. Et enfin, ça a été très, très positif, comme ils disent, que la polyvalence de la voiture, etc. Ouais. Moi, bon, j'ai donné mon avis sur, sur ma chaîne, etc. Mais ça m'intéresse grave de voir ce que, ce que toi, tu en as pensé. Bah après, c'est une voiture par rapport à la berline et au coupé. Déjà, tu as 85 kg en plus par rapport à la berline. Ouais. Bon, faut vraiment y aller comme un bourrin pour le ressentir. Hein. Quand tu vois que tu as des mecs qui te disent Ouais, elle est beaucoup plus lourde. Hein. Ouais. Ok, oh, va sur circuit, <laughs> conduis un petit peu et puis on verra. En vrai, c'est pareil que d'avoir un passager. Quoi. Ouais, c'est ça. Bah tu mets moi dedans. C'est difficilement, de non. <laughs> ouais, tu, difficilement perceptible. Euh, après, tu as un malus qui est très élevé. Bon, ça, ok. Euh, mais sinon, la voiture, ce qui est fou, c'est que jusqu'à maintenant, la plus polyvalente de la catégorie, c'était les, les Audi, tu vois, les RS4, RS6 mm -hmm. euh, en break. Et. Le seul truc qu'elles ont, les Audi, c'est qu'elles sont pas très fun à conduire. C'est des super ouais. voitures, mais euh, tu n'as pas ce côté un peu euh, wild, ouais. tu vois. C'est plus amusant chez BM. Ouais. Exactement. Et là, avec la BM, ils ont fait un truc de fou, bon, au-delà du design, c'est que tu as la transmission MX Drive. Oui. Donc tu peux passer de 4 à deux roues motrices. Ah, ça, c'est dingue. Et ça, ça change tout, en fait. Tu peux vraiment avoir une caisse méga fun et une, une voiture caisse de sport, aussi sécurisante. Ouais. Mmh. Mais je crois que les puristes BM, c'est ce qu'ils cherchent tout le temps, en fait. Ouais. Quand tu achètes une BM, tu veux avoir, tu veux avoir ce côté, pro, pro, côté propulsion, voilà, ouais, ouais, légendairement propulsion. Et, ouais. et c'est ça, et en parlant de chez, de chez Audi, j'adore regarder les vidéos des les trois anglais là, qui, ou quatre Top anglais qui, non, qui font la, la course ah, caro, au départ. Carrois, ouais, ouais, ouais. ouais. mec, eux, ils, je ne pensais vraiment pas. J'ai vu ta M3 Touring euh, qui, a, qui a battu une RS6, je crois, genre. Ah ouais. bon, je, je, si je dis pas de bêtises, c'est rs 6 qui a la battue. Bah après, le 0 à, je me rappelle plus. Pareil. Tu te rappelles le ouais, 0 ouais. à C'est 3 secondes 6 pour les deux. Okay. Donc, tu vois, après, ça dépend ouais. dans, ça dépend dans la RS6 des pneus. Est plus puissante. Ouais. mais Nous, Les pneus sont plus puissants. On, a... ouais, ouais. on a testé le launch control il y a deux jours pour la première fois et c'est violent. Ouais, J'ai pas eu le temps d'essayer. Ouais, bah ouais. ouais. Après, il faut pas trop en faire. Hein. Ouais. Non, ouais. Ça <laughs> abîme les pneus, non non, c'est la boîte. C'est la, ah ouais. la boîte de vitesse. Tu sais, ouais. tu sais les, les, euh, les sociétés de location de, de belles voitures de luxe, <coughs> souvent, ils ont des voitures, elles reviennent après deux semaines, elles ont une boîte pétée. Quoi, je veux dire. Et ça, c'est parce que tous les clients, ils s'amusent à faire euh, du launch control à, à ah longueur ouais. de je journée. Je savais pas du tout. Ouais. Je pensais ah que ouais, c'était fait pour ça. justement que bah la boîte. Sur était... les doubles embrayages, ça va. Euh, sur les... Mais bon, c'est quand même pas top. Mais je me rappelle, par exemple, sur la scoot ils me disaient t'en as trois. Oui, c'est ça. Tu ouais, fais trois grand. launch et il faut changer la boîte. Donc euh... bah je pensais que c'était bah quand même plus incroyable. solide. Hein. Mais après, ça dépend beaucoup de, du couple moteur qui est envoyé et surtout à quel régime. Ouais. Parce que as des boîtes de, quand tu essayes des voitures préparées, moi j'ai essayé beaucoup de MTM préparées par Audi. Donc mmh. tu vois, ils prennent genre une RS3 650 chevaux, ils mettent genre 850 Nm de couple. Ouais. Quand tu accélères et tu te mets au launch, mec, tu as l'impression que la boîte, elle va exploser dans tes mains. <laughs> et forcément, les mecs, ils te disent de. Je quand tu ça. tournes la tête, a... ah d'accord, faut que je fasse comme ça. <laughs> et, et pareil, sur, genre sur une Bugatti, tu mets le launch control, mec. T'as l'impression que tout, tu vas avoir une explosion dans l'habitacle. Tu vas ouais. démonter ouais. la voiture, tu, pas, ouais, ouais. tu vas la caisse et t'as cette sensation que ça va pas tenir. En fait, mais moi quand même... je savais vraiment pas qu'on qu avait le droit à un peu de, de ça. Ouais, euh, toi tu t'abuses à, à, à tous ouais. les feux rouges ouais, dans, oui, oui, dans, dans l'A3. Ouais. Non mais c'est vrai, je, me, je savais pas. Je, vraiment, vous m'apprenez un truc sur ça. Non, ouais. Pour moi, la boîte était faite pour faire non, ça. Non, bah, il faut faire, faut faire un peu attention. Nous, on s'est dit, bon, on le fait, on voulait le tester une fois. Tu, vois, tu as la voiture, tu le fais. Mais euh, c'est quand même dingue que tu puisses aussi raconter les histoires, par exemple, comme du launch control d'une Bugatti. Est-ce que tu as eu la chance de conduire quand même une Chiron Super, Super Sport, Sport. Ouais. Ouais, 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 ça c'était vraiment une expérience euh, incroyable. En fait, en accélération, je t'avoue, il y a d'autres voitures qui m'ont euh, plus impressionné que ça. Ouais. Genre Tesla Model S Plaid. Ouais. Tu vois, la, la Model S avec 1020 chevaux, en accélération, ça va plus vite. Hein. Euh, oui, ça, 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 ça va plus ça, ça, vite ça. que tout ça. Une Plaid. Ouais. C'est la plus rapide aujourd'hui. Franchement, euh, ah, après, il faut aller oui. chez des préparateurs. C'est ça. Euh, il y a les nouvelles, les Mac. Euh, Mac e. Non, non, euh, ce qui venait de tester à Dubaï, là, contre une La Ferrari, contre plein de. Tu sais, la toute RR petite Mac. voiture. Non, un, non. Euh, Mac Grudy, ou quelque chose comme ça. Ah, ah oui, oui, la oui, voiture électrique. Fait le ouais, record oh, ouais, ouais. Goodwood. Goodwood. Ouais. Ouais. Good ouais. Ça, c'est juste impressionnant. Mais elle elle bon, fait 1 seconde 5, je ouais, crois. Ouais, mais ça, ça, ça c'est pas Après, il faut aller chez les préparateurs. En fait, aujourd'hui, des voitures qui vont plus vite qu'une Chiron, il faut aller chez 9FF en Allemagne, donc le préparateur de Porsche à Dortmund, chez qui j'étais la semaine dernière. Et lui, il fait un kit sur une 992 turbo S, 1200 chevaux. Vu ça. Wow. Donc tu fais genre 2 secondes de 0 à 100 et prend 380. Et, et, puis... et je dois laisser et d'ailleurs il faudrait que tu viennes ça La bah, ah, Prochaine fois, il faut que tu viennes. Mais ça je pensais à personne qui l'avait encore fait ou il demandait non. il demandait à ce que des gens viennent parce que en fait ça tu peux pas la rechanger après. Exactement. Tandis que le pack qu'ils font à 900 chevaux, 900, que tu peux, ça, revenir, ça, tu en peux en revenir en arrière, ça. En fait, ils ont euh, au bout d'un moment, ils te, ils te, ils te, ils te forgent ouais. des pièces. Mm -hmm. Euh, ils vont changer les turbos, ils mettent des turbos Garrett c'est ce qui fait vraiment euh, l'explosion de puissance. tu vois. Et là, ils sont en train de travailler sur un kit qui est quasi fiabilisé, un kit 1400 chevaux. Mec. Et la caisse qui est ouf de l'extérieur, ah, tu vois juste une turboise, Il ne change rien du tout. Il ah, n'y a, a, a aucun rien. changement. Donc d'extérieur, elles, elles arrivent à subir ces 1400. En fait, la, la Porsche de base, boîte de vitesse jusqu'à 1200 chevaux, Il ne touchent rien ça c'est incroyable, ça c'est Porsche bah, ouais. ça c'est Porsche, la qualité, la fiabilité même quand ils annoncent leur chiffre de 0 à 100 etc ils mettent, euh, tu vois ils, ils disent euh, 3 8 mais elle fait facile 3 5 tu vois, ouais, ils ça. restent quand même assez modestes, humbles là dessus et sur la puissance des voitures mais ça montre que euh, il y a tellement de potentiel pour les modifier moi j'ai pas eu les couilles de le faire <laughs> euh, tu, perds après, hein. tu perds beaucoup d'argent après, ouais. tu perds beaucoup d'argent, la garantie tu perds toutes ah, les garanties ouais. Porsche t'assure plus tu perds le Porsche Approved ouais. euh, et puis puis voilà forcément c'est une voiture avec un, un, une puissance énorme les pièces elles, elles sont sujettes à, à forcément une sollicitation qui est beaucoup plus élevée et donc du coup la, la fiabilité de ta voiture tu la perds ouais. un petit peu mmh. et est-ce que est-ce que eux donnent une sorte de garantie parce que je sais par exemple ouais. tes cartes oui. Quand tu modifies avec eux, eux, ils te donnent une, une garantie. Donc, pareil avec 9FF. À, pareil avec 9FF. Et l'entretien, il faut que tu le fasses chez eux. Mais euh, les voitures n'ont pas trop de problèmes. Moi, j'ai ouais. essayé une 9FF 997 Turbo S de, de 2008 qui avait 1400 chevaux. 1400 chevaux, mec Ouais. Boîte ouais. <laughs> méca. Boîte méca. <laughs> Je <te Wow>. jure, <laughs> tu commences à conduire. J'avais essayé une 1200 chevaux l'année dernière sur ma chaîne. Tu commences euh, en 700 chevaux. Déjà, tu te dis, c'est ouf, c'est boîte mécanique. C'est impressionnant. Et après, tu as un deuxième switch avec un petit bouton qui est orange où de là, tu passes à 1000 chevaux. Déjà, tu es en stress. La première accélération, le mec te dit à partir de 1000 chevaux, n'accélère pas à fond en première parce que tu, tu, tu tournes oh, sur place. Ouais, quoi. Ouais. Wow. Et après, tu passes en 1400 chevaux. Et là, en fait, en 1400, tu dois ouvrir l'échappement complètement pour que ça libère, ouais, les, ça libère les gaz d'échappement à fond. Et tu dois euh, déconnecter les aides, durcir les suspensions. Et si tu ne fais pas, en fait, tous ces trucs-là, il euh, pas y, y, y a un problème, tu vois. Ouais, mais mmh. en même temps, si tu fais ça, tu peux mourir aussi. Voilà, c'est <laughs> ça. Exactement. Euh, donc, tu <laughs> joues un peu avec ta vie, quoi. Grave. Et bon, là, tu en... t'enlèves tout, as 1400 chevaux. Bon courage. <rire> <rire> et là, en 1400, c'est, mec, c'est indescriptible parce que tu es en boîte mécanique. Donc, tu sais, tu te mets genre en 3, tu accélères, tu vois les gars, ils arrivent à 200, et en fait, toi, tu les doubles. Mmh. Voilà. C'est un truc de... De, de, de fou ouais. Et en boîte, Manu. Enfin, comment tu, il faut, faut, faut changer tellement rapidement, non Enfin, ça doit être. Bah, en fait, ce qui, c'est pas ça qui est impressionnant, c'est quand tu réenclenches, mais même à 250, 280, 300, ouais, ça tu passes de 5 en 6, par exemple, et continue d'accélérer. Mmh. Alors qu'il y a plein de bagnoles, normalement, une caisse de 5, 600 chevaux. Tu, sais, tu ouais, passes sais. en 6. Bon, ça accélère, mais le mec qui me dit qu'il est que le siège, c'est un mytho. Ouais. Pour vois. En, pour en revenir à la Chiron, ça c'est la sensation qu'on me dit et euh, la plus. En... Moi, j'ai vu ça dans une Véron, j'ai eu la chance ouais. d'être passager. Mais euh, dans une Chiron, c'est ça qu'on me dit, c'est que t'as cette sensation que ça va jamais s'arrêter d'accélérer. C'est ouais. ça. Hein. Bah, 0 à 300, j'étais avec Andy Wallace quand on l'a oh. fait. Et en fait, il m'a dit, tu vas voir. Alors, on était sur une route fermée, bien évidemment. Et euh, à un moment, <laughs> on accélère à fond et mec, 0 à 300, 12 secondes. 12 secondes. 12 secondes pour aller à 300. Ouais. C'est fou, tu vois. Enfin, quand tu expliques ces chiffres, quand tu es dans l'automobile, tu suis un peu, tu réalises que c'est euh, énorme, c'est choquant et tout. Mais quand tu dis ça à quelqu'un qui n'est pas dans, dans les voitures, et tu dis 12 secondes, 0 à 100, ou par exemple, même moi quand j'ai dit ouais, 3 secondes, 8 ou 6 ou quoi, pour euh, 0 à 100 dans, une, dans la BM, euh, je vois genre, euh, plein de gens qui sont... En mode, mais comment c'est possible, tu vois ouais, bien sûr. Mais là, de monter jusqu'à 300. En 12 secondes. Et d'ailleurs, et pour la petite histoire, je sais pas si vous savez, les gars, Bugatti, c'est le seul constructeur qui, sur sa fiche technique, affiche une stade de ouf, le 0 à 400 km/h. Ouais. Le concours va jusqu'à 400. Non, 500. La voiture, en fait, elle a deux limiteurs. Elle en a un premier à 380. Ensuite, tu prends une clé qui est entre la porte et le siège. Tu mets cette clé à l'arrêt. Et là, ça débloque la vitesse max de 380 à 440. Et en fait, pour des raisons d'aérodynamisme et de sécurité, euh, toutes les chiron, quels que soient les modèles, enfin les, les celles qui ont le, la vitesse la plus élevée, c'est 440. Mais tu ne peux pas aller au-dessus. Il y a que ouais. Andy, voilà, c'est Bugatti quand ils font les tests, où là ils ont pris 490 km. Oh, ouais, ça ouf. veut dire que tu sais que ta voiture elle va jusqu'à ça, mais tu peux pas le faire. Quoi oui, là, mais bon, soit... après toute manière, tu il n'y oui. a, a nulle part vraiment où tu pourrais non, mais le mais faire. Ouais, ouais, ouais mais ah, même sur circuit, mais c'est très spécifique il y a ouais, que tu... deux circuits au monde hein, Tattenburg et les... Nardo. Ceux qui sont en rond là, tu sais. Ouais euh... mais c'est ça, il y en a les ouais. ovales. Non non non. Non non Tu peux pas, tu peux pas. Tu as trop de vitesse en fait. La voiture elle s'écrase trop dans le. Ouais. Mais mais il y a que deux circuits. Dont une un des circuits qui est propriété de Bugatti, non de Volkswagen je crois. Enfin, Volkswagen, Volkswagen. Mais ouais. est-ce que... Donc Volkswagen, moi j'ai pas compris ça. Donc Rimac a racheté Bugatti, mm -hmm. mais Volkswagen a encore... Oh, euh... chez c'est Porsche. Ouais, c'est Porsche, Porsche. A toujours euh, Molsheim. Ouais. Donc Porsche est à la tête de M Molsheim et Bugatti sont à Zagreb et ils ont, euh, ils ont une... Ils ont 51% euh, Rimac. Rimac quoi, ouais. ils, ils sont, sont... pas Rimac ont 51%, mais Porsche reste à la tête de Molsheim. Ouais. Et, et, et c'est très français en plus de base Bugatti. Bah oui bien oui. sûr. Ouais bien sûr, bien sûr. Mais bah ça le sont... reste quand même hein. On, on pas va pas que du fromage et du vin quoi. Ah, ouais. <laughs> ah, ils sont en, ils sont en Alsace. Ce qui est fou en plus Bugatti, on se rend pas compte. en Alsace. C'est tellement euh, c'est tellement exclusif. En fait, ouais. euh, tu vois, je ouais. parlais avec Christophe Piochon, le président de Bugatti, et Christophe me disait, il me dit je vais te sortir une statistique sur euh, le, le client moyen Bugatti. Ouais, entendu ah ça. Là là. Mec, ça va faire peur. C'est hein. incroyable. Quar le, un client moyen qui achète une Chiron, il a 42 voitures. Okay. C'est la moyenne. C'est la moyenne. Ouais. t'as des gars, ils doivent en avoir 500, tu vois. 42. Il a euh, un jet privé, trois bateaux et 10 résidences. Wow Mec. T'imagines, c'est... à dire que le mec loure, quand hein. rentre dans ton bureau, tu sais qu'il a tout ça ouais. hein, bon, en moyenne. Non, tu dis, ouais, en moyenne, toi, tu as l'acheteur moyen intelligent de Bugatti. à ça, on va dire. Parce que le mec, ouais. tu as, as aussi des, des gars, des rappeurs qui viennent de gagner 10 millions. Et d'un ouais. coup, ils se disent, ah ben je vais claquer 4 millions ouais. dans une Bugatti. Oui, ouais, bien sûr. Non, mais c'est pas pour dire qu'ils sont pas intelligents ou quoi. Mais tu, tu vois, il y a une certaine... Tu as des gens qui ont énormément d'argent, qui peuvent s'offrir une Bugatti et ça pour eux c'est une biette de pain quoi, tu vois ouais, et t'imagines ouais. quand tu les reçois dans ton bureau faut que tout soit tellement genre euh, parfait au niveau parce que tout dans leur vie parfait. est parfait enfin ouais. parfait oui enfin, quand on les reçoit quoi bah, l'expérience Bugatti est magnifique je veux dire tu vas en Alsace à Molsheim à leur château tu vois comment ils construisent des voitures devant toi et tout c'est c'est une l expérience, vrai, c'est vraiment il y avait un truc spécial. Automoto, je crois, ou Turbo, qui avait fait un reportage sur eux. Ouais. Et j'étais genre bluffé, t'es là en mode, tu vois comment tout est fou. Même les, les mecs qui travaillent ils sont bien habillés, ils ont les beaux tabliers, ils ont les gants sur scène. Ouais, mais c'est la perfection. Ils ont l'habitude de recevoir ce genre de personnes. Ouais, Toi, t'as déjà rencontré des gros gros collectionneurs comme ça Ouais, ouais, ouais. Alors le, le problème en France, c'est que des gros car collectors euh, veulent pas qu'on filme. Ouais. Voilà, parce que c'est pas comme euh, les anglo-saxons qui sont. Su qui, euh, c est, c est, tu sais, c'est dans l'éthique euh, des gens. Euh, aux États-Unis, en Angleterre, ils aiment bien montrer leur, euh, leur bagnole. À Hong Kong aussi. À Hong Kong, j'avais rencontré ouais, des Singapes, gros à ouais. singapour Et en fait, en France, ouais, j'en ai vu des collections euh, complètement folles. Mais par contre, euh, même pas une photo. Ouais, c'est ouais. dommage. Hein. Ouais, bah, sou souvent, les, les trucs les plus impressionnants. Que tu vas voir, c'est les choses que tu, tu n'auras pas le droit de, de filmer. Il y aurait trop ouais. de malus à payer euh, ouais. si ça servait <laughs> en public. Euh. Ouais, ouais. c'est très français aussi de ne pas montrer. Enfin, quand tu montres ce que tu as, souvent les gens ils, sont, ils font des histoires, ils sont jaloux. Donc maintenant il ouais. y a une espèce d'éthique où tu dis bah, tu ne montres pas ce que tu as et au moins as quoi. Bon, ouais, tu n'as pas d'histoire. Moi, tu vois, il y avait triste, un, un mec ouais. que j'avais rencontré. Moi, euh, bon, je ne vais pas dire où il habite parce que, on va dire en région parisienne. Et euh, sous sa maison, il avait un. Donc il avait une. Bon, il avait une maison qui était impressionnante déjà pour le lieu où c'était, tu vois. Ouais. Et en dessous, il avait euh, quatre sous-sols. Et euh, c'était un collectionneur de, de Porsche. 30 voitures. Donc, euh, bon, c'est déjà c'est impressionnant 30 voitures. Ouais, Mais c'était. Ouais. Ce qui était fou, c'était les modèles qu'il y avait. Ouais. Donc, il y avait de la 959, de la GT1, ah, oui. euh, ah, de la ah, Stirling okay, ouais. Moss, euh, de la euh, McLaren F1. Ah ouais. ouais ok bah juste, ou euh, juste tout ce qu'il y a de plus ouais, beau quoi, ouais. Et puis il y avait enfin je en, fin, y en a je vais pas les dire parce qu'après ils risquent de se faire identifier. <laughs> mais en gros et, et c'était fou et le mec je lui dis mais pourquoi tu, tu, les, tu les roules et tout il me fait fois je les roule pas trop et tout donc souvent en fait il y a un transporteur qui venait chez lui et le transporteur rentrait dans sa baraque il prenait la, la voiture et puis lui il allait rouler genre dans le sud de la France en Espagne. Ouais, okay, en Portugal, donc il sortait avec. pas de chez lui avec ouais, ouais. pour qu'on les voit pas quoi. Exactement. Et, mmh. Mais il y en a en fait, en France, contrairement à ce qu'on pense, il y, y a énormément de passionnés de voiture. Tu vois. Ouais. Donc euh, la passion, y elle y est y toujours. Il y, y, y en a plein. Mais c'est vrai qu'il faut. Bah, moi, j'ai eu l'expérience de quelqu'un qui m'a mis un coup de clé il n'y a pas longtemps sur la voiture. Il ouais. faut quand même juste être conscient des, des, des risques de temps en temps de sortir la voiture. Et c'est triste, mais c'est comme ça aujourd'hui. C'est la jalousie. Je pense, je pense qu'il y a vraiment ça qu'en France, enfin, peut-être dans certains autres endroits, mais c'est que la France, c'est particulier sur ça. Hein. Ouais, ça, c'est de... que... vrai. C'est dommage, après, euh, en fait, c'est je pense c'est dans le rapport que beaucoup de gens ont à euh, l'argent. Il euh, y a des pays où... Euh, on, tu vas aux États-Unis, par exemple, vous devez connaître ça, hein, tu demandes... Euh, tu vois les, les, les gars qui roulent dans des super bagnoles, en, ils ont l'habitude d'échanger avec les gens, il n'y a ouais. pas de jalousie, il n'y a pas ce côté envieux. Et c'est vrai qu'en France, quand tu conduis, bah, toi, quand tu étais avec ta Ferrari, par exemple, tu as dû ouais. ouais. ressentir ça de temps en temps. Je dis pas que c'est... Il faut pas non plus dire que c'est tout le temps. Oui, a, non, non, non. Les, les Français aiment quand même la bagnole, tu vois. Mais... Avec, dans certaines situations, tu sens que peut y avoir un peu d'animosité mmh. quand tu conduis une voiture de sport euh, un peu euh, ouf, euh, C'est ça. Moi, moi, je le ressens aussi surtout parce que je fais euh, genre que j'ai 12 ans. Tu vois Donc euh, encore plus, tu c'est le doublé. C'est genre un enfant qui conduit une Ferrari. Mais euh, mais après, non, c'est comme tu, tu l'as dit. C'est vraiment pas tout le temps. Euh, j'ai juste pas eu de chance. Je pense que j'étais au mauvais endroit, au mo mo mauvais moment avec euh, la M3 Touring. De partout, tu vas avoir euh, euh, des, des personnes qui veulent du mal à, à d'autres pour bah, quelconque bah, raison. Tu, tu euh, sais, tu peux te faire... Euh, moi, j'ai un de mes caméramans, il a un C4 Picasso, il s'est pris des coups de clé. Hein. Ouais, voilà. Donc, ah euh, oui, euh, bon sûr, donc bah, après, ça, ça arrive comme ça, c'est énervant sur le moment tu te dis... Mais il un il avait un logo BM dessus, tu vois, mais bon. Ouais. <laughs> mais, euh, mais tu vois, <laughs> moi, c'est le seul truc, par exemple, si quelqu'un te dit, OK, la vitre a été pétée, quelqu'un a volé l'ordi dedans, Là, il y a juste un peu plus de logique dans ma tête. Je me dis, OK, le gars voulait l'ordi, tu vois. Tandis que de mettre un, un coup de clé, genre, y a au tu, ne, tu ne gagnes rien euh, en ouais. faisant ça, tu vois. Il ouais. n'y euh, a aucun bénéfice. C'est juste pour faire chier, quoi. Oui, mais c'est euh, comme ça. Mais bon, après, ouais. c'est très facile à dire quand quand, quand tu pas... Ouais. Enfin, j'ai jamais, jamais ressenti ces, ces idées, ces envies de faire ça. Donc, euh, ouais, ouais, je ouais, voulais mais bon. juste revenir, Nico, à ce ouais. que tu disais. Moi, je trouve ça, je suis complètement d'accord avec toi. Les Américains aiment bien partager leur amour de la voiture. Et ouais. ce qu'il y a de chouette là-bas, c'est qu'ils roulent avec ces voitures. Euh, tu vois des événements, tu vois qu'il y a des 250 LM qui roulent sur route. Euh, je veux dire, t'en en vois à gauche, et à droite. En France aussi hein. En France, ça, ça arrive aussi, mais en France, ça n'arrive qu'aux événements aussi organisés ouais. comme ça. Tu, par exemple, je pense à un tour auto. Ouais. Euh, au tour auto, les gens ils sortent leur voiture et là, ils aiment bien rouler avec et tu es entre passionnés, tu discutes et tout. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins cette... Euh, cette, cette... Tu vois ce, ce mode de ouais. pensée C'est vrai, bah, tu vois, tu vas-y, Emerick. Non, non, j'allais dire, il y a sur le, le rallye plus. Tu sais, des alpines, des voitures comme ça. Enfin, pas mm -hmm. des voitures. Hum, qui, on n'est pas dans des millions d'euros. On est genre dans des alpines, dans des choses qui sont dans les 100, 150 000 euros. Ouais. Les gens ne les rayent pas. Ils ont du respect pour les voitures. Bah, moi, je vois Loïc, il m'a il fait partager un peu le goût du, du, du rallye. Et son père a deux belles voitures dans son garage. Enfin, c'est des, des voitures de rallye, tu vois, mais elles sont super belles. Et on prend soin comme si c'était genre sa femme, tu vois. Genre. Et il les sort et, et il fait des petits rallyes. Et là, tu vois qu'il y a une autre, en, une autre ambiance, en fait. Pas, mmh, les gens respectent mmh. les voitures. Et quand ils voient une vieille voiture passer, même en rallye, que ce soit une vieille, vieille, ils disent, qui il coûte rien, hein, qui va coûter peut-être 5-6 000 euros, mais qui est transformée en rallye, va dire, waouh, ouais, la voiture, mec, t'as vu là ouais. Donc j'aime bien ce côté-là, tu vois. Il y a des, on dirait qu'il y a des paliers tu vois de ouais, ouais. je pense après euh... mais aux États-Unis tu as raison euh, quand tu vas à Los Angeles par exemple ou San Francisco ou même en Arizona en Arizona il y a pas ouais, mal de car, ben, car, car Scott's collector euh, Scottsdale sûr, à Phoenix ouais. euh, tu vas à Scottsdale euh, moi j'y étais allé en 2018 et, euh, et en fait, tu as, as des cars collectors, mais ils te sortent des trucs de ma boule. Ah, genre, il y avait un mec, un... Je, vais, euh, je vais avec Manana, on va prendre un Starbucks un matin, un gars qui arrive en Maserati MC12, mec. Ouais, ouais, c'est c'est des trucs, tu, de vois fou, jamais, tu vois, ouais. Maserati et genre, euh, un jour après, on voit un mec en Paganizonda, ouais. Le mec qui passe comme ça au feu rouge, c'est fou. C'est vrai que c'est plus la norme là-bas, si t'as une voiture de ce genre que tu vas... Euh, la rouler et qui fait avec. Ton qu'ici c'était plus l'exception à la règle si c'est le cas. Le, euh, euh, J'arrive jamais à le dire, mais Fan Rash Racing, French Racing, French Racing, voilà, ouais. euh, qui lui a 250 LM, 250 GTO, tout ça. Lui, il roule avec comme si c'était euh, ah ouais. des Renault Clio tu vois. Mais, il ça, est est genre, euh, mais lui, c'est un, un vrai, fan de voiture. il sait il y a certaines personnes. Bon, dans les hypercars, c'est rare, mais il y a certaines personnes qui achètent des voitures chères pour ce que ça représente. Ouais. Et lui, ce qui est bien, ce mec-là, c'est que il peut aussi bien acheter une Clio RS, une vieille Alpine de 1980, et le lendemain acheter une McLaren F1. Bon, moi, je connais pas c est, c est son rythme d'achat, mais ce qui, euh, ce qui diffuse sur les réseaux, en fait, tu vois que c'est un vrai passionné, ce gars. Ouais. Il a acheté une Lotus, tu vois. Il est parti acheter une Lotus euh, à l'usine. Il est arrivé en Bugatti. Pour prendre sa Lotus, et après il a roulé en Lotus pour rentrer, et c'est son pote qui conduisait la Bugatti. Oh, okay. et tu dis ça, c'est beau, ça, c'est la vraie passion. tu vois. Bah, il a Donc... fait plus de 10 000 bornes en Chiron. Hein. Chiron ouais, je crois, ça, parce qu'il a posté des photos de son compteur. <laughs> et, euh, et tu te dis, c'est des caisses, les mecs, qui roulent 20 bornes par an. C'est ça, c'est la lui... seule Chiron avec 10 000 bornes. C'est ça, et lui, il roule euh, comme un malade. Et d'ailleurs, la, la Chiron la plus kilométrée, euh, ça, c'est le président de Bugatti, Christophe Piochon, qui me disait elle a, ou on dit voilà, je me rappelle pas, elle a 180 000 bornes. Ah ouais, la Chiron la plus qui le où elle est, elle est en Europe non ouais, il m'a pas dit wow. mais 180 000 bornes il faut rouler hein. la Chiron elle est sortie y a pas y a pas dix ans hein. c'est celle d'Andrew Tate il était il est partout ouais. avec euh, <rire> <rire> bah, là il la roule en prison non plus maintenant ouais, 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 voilà ouais. maintenant <laughs> se passe quoi du coup avec sa, sa Chiron le... bah elle a été saisie et après je ne ouais. sais pas ce qu'ils en font mmh. les, la police euh, la police roumaine euh, s'amuse à faire des des, des, des je crois qu'elle était à Bugatti à Bugatti à Dubaï elle était Dubaï pas si du coup vous en pensez quoi de la couleur de la sienne C'est osé, moi. Ouais. What color is your Bugatti <laughs> C'était sa réponse ouais. quand les gens les disaient. Mais, euh, mais, mais Nico, pour revenir un peu euh, sur ton, ton histoire sur YouTube, etc., moi ouais. je trouve ça euh, fascinant. Je t'ai vu dans, dans La Boîte à Gants, un autre podcast qui est, qui est top aussi, parler de ton parcours euh, sur euh, comment tu prenais ça comme un business. Quoi. Pour toi, c'était vraiment je vais rentrer dedans par passion mais il faut en vivre, c'est un business, je vais être, euh, être très ana analytique dans, dans, dans mon ouais. approche. Je l'ai vu, nous, enfin ça fait deux jours que tu es là avec nous, euh, que tu es rentré un peu dans notre petit monde ici, euh, on a pu euh, bien discuter de ça, et c'est vrai que tu es très euh, réfléchi dans tous tes mouvements sur les réseaux. Ouais, en fait, faut savoir que tu viens du, du monde de la finance aussi avant d'être rentré dans les autos, c'est ça Oui, exactement, en fait, moi j'ai commencé, moi je ne viens pas du tout du monde auto. Ouais. Et euh, même autour de moi, alors j'ai mon père qui a, qui a acheté des caisses sympas, hein, mais pas, pas des hyper tu vois. Il a mis des super-cars, d'ailleurs. Et euh, moi, j'ai évolué, évolué de 2010 à 2019 dans le monde de la finance. J'étais directeur d'investissement dans, dans un fonds d'investissement d'un entrepreneur français. Et euh, en fait, au bout d'un moment, je me euh, rendais compte que ça se passait super bien. J'avais eu une ascension assez rapide, tu vois, dans, dans le milieu. Et le seul truc, c'est que je voulais vraiment... Euh, Vivre de ma passion. Ouais. Et pour la petite histoire, la petite anecdote, je l'avais racontée à Yann. En fait, quand, quand j'ai voulu partir du fond où je bossais, mon big boss euh, m'avait demandé euh, Mais est-ce que tu es sûr vraiment de, de, de vouloir faire ça, de, de continuer dans la finance mm. Et lui, il lui me dit Écoute, moi, je suis devenu milliardaire. J'avais planté 10 boîtes. Je suis devenu milliardaire le jour où j'ai travaillé dans le milieu qui me plaisait. Et ouais. avant, c'était un mec en mode lose. Il losait tout ce qu'il faisait. Ouais. Et donc moi je fais ouais ok d'accord et là il me pose une question écoute la question était en soi plutôt simpliste je trouve tu vois et il me fait ouais si par exemple demain je te file un montant stratosphérique comme ça je te le donne euh, qu'est-ce que tu fais et moi je lui dis euh, bah ça dépend combien bah je sais pas il me dit 100 millions t'as 100 millions comme ça qu'est-ce que tu fais ah bah je lui fais moi je fais un média automobile Sais, je réponds mais euh, comme si je te disais de quelle couleur euh, ouais, de ouais, c' y est tellement quoi. clair pour toi hein. et il me fait bah voilà c'est ça et moi je suis attends euh, qui commence ça c'est ça bah il me dit il faut que tu fasses ça et euh, on en reparle dans, dans une semaine et donc une semaine après on en, on en reparle et euh, je lui dis bah ouais tu as, as raison enfin, ouais. je le voyais vous avez raison et je, je décide donc j'avais accepté une offre pour prendre la direction d'un fonds en capital Venture et donc, je rappelle le chasseur de tête, je lui fais écoute, euh, finalement, je vais, je vais lancer un média auto. Le mec, il était au téléphone, il me fait mais pardon, t'es pas sérieux <laughs> et tout, tu vois. Et, euh, et je fais non, non, si je vais lancer ça. Et donc, je me lance. Et le problème, c'est que je commence, mec, première vidéo, 27 vues. Donc là, je me dis, mes potes ouais, me disent, euh, bon, c'est mmh. un peu chaud, euh, c'est cool hein, de rêver un moment, mais il y a la vraie vie, tu vois. Et euh, le, le seul truc, c'est que moi, j'avais un niveau de vie, tu vois, et il fallait que ça marche, quoi. C'était obligé, il ouais. fallait vraiment que ça marche. Bon, j'ai continué et puis en mettant en place des stratégies, etc., ça a commencé à fonctionner. Ça a mis quand même, tu vois, une bonne année et demie. Pendant as un ans, tu as commencé quand C'était en quelle année ça que tu as euh, Avril 2019. Ah oui, ok. Ouais. Ouais. Ah, et après, tu as eu le Covid qui est arrivé pas longtemps après ouais, et ça, c'était un challenge hein, quand même. C'était un challenge, mais on a, bon, voilà, on, a, on a continué, on a persisté. Et puis effectivement, euh, ce que j'ai vu, en tout cas dans le milieu rapidement, c'est qu'on euh, avait besoin de structure dans les discours qu'on pouvait avoir avec tu sais, les constructeurs auto. Euh, que les constructeurs auto eux-mêmes euh, avaient aussi besoin de grandir avec nous, euh, de, de connaître un petit peu quelles étaient les performances des social media, qu'est-ce que ça pouvait leur apporter, mmh. euh, qu'il y avait une méconnaissance de beaucoup de directions marketing, d'agences médias dans l'apport que pouvaient avoir YouTube, Instagram, Facebook, euh, TikTok, et que du coup, il y avait un coup à jouer là-dessus. Et, euh, et tu le vois, maintenant, les, les constructeurs deviennent de, de, de plus en plus bons justement ouais. dans les connaissances des, du social media. Et, euh, et puis euh, moi, ce que tu vois, le petit truc un peu différenciant que j'avais apporté, je me suis dit ok, bon, on va s'appeler le vendeur auto et qu'est-ce qu'on va faire On va vendre des autos. Ouais. C'est pas très innovant, mais bon, en tout cas, en, en tout cas, c'est ce qu'on voulait faire. C'est clair au moins. Et, et puis ouais, et puis on a fait des OP, but. on a fait des OP, euh, euh, avec un pote qui a, qui a une société de courtage en location longue durée. Et puis on s'est dit bah on va tenter, tu vois. Et puis vu, tu, tu offrais ça aussi dans tes vidéos quand tu testais une voiture ou quoi Tu offrais aussi la possibilité aux gens de, de la louer à long terme, c'est ça aussi Ouais, dans, dans certains essais. Voilà, c'est ça. Ouais, dans certaines vidéos, pas toutes. Et on fait, euh, on fait une première vidéo. Je me rappelle plus laquelle c'était, mais euh, un truc genre Toyota CHR tu vois Ouais. Et puis euh, on en vend 57 via, le, via la vidéo en genre un mois et demi. Oh et ouais. on fait ouais quand même 57. Et moi je pensais que c'était pourri, tu vois. J'avais vraiment l'impression que c'était pourri. Et euh, je me dis, ouais, 57, c'est pas incroyable et tout. Euh, et puis un jour, j'ai un pote qui bosse dans l'automobile. Il me fait, mais mec, 57, caisses, C'est très bien. C'est incroyable. Il ouais. me fait, moi, l'année dernière, j'ai vendu 105 voitures en un an. Ouais. Je suis, ah ouais, stylé. Quand même ouais. Beau, tu vois. Ça fait quand même pas mal. Et après, on fait une opération pour Tesla sur une Tesla Model 3. Et on a, via l'intermédiaire d'un courtier en location longue durée, on a une offre qui est moins chère que sur le site de Tesla. Et mec, on fait la vidéo. On vend 223 voitures t'imagines deux cent vingt trois Tesla oh, après, après attention c'est le record on le fait pas à chaque fois on ouais. pas rêver, hein, non, mais c'est quand même impressionnant quoi mais... ouais ouais, ouais, ouais c'est ouf tu as vendu combien de voitures toi de... Enfin, je... bah, non, On n'a pas les, même. on ouais, pas les mêmes Ils produits, c'est hein. différent. Ouais, Tesla c'était <laughs> peut-être dans un moment où justement ah, c'était euh... le bon moment. Ouais c'était le bon moment, c'était un, un concours de circonstances. Mais qui 200 voitures quoi. Ouais. Le, Model 3, le modèle 3 000... c'était à 30 000 euros, c'était marketé ouais, à 30 000 euros. Elle à était à non, 37 avec les aides. C'est ça, exact. Et du coup, à partir de là, on s'est dit, euh, en fait, je, quand je rencontrais des gens, tu vois, des abonnés, ils me disaient, euh, mec, j'ai acheté une caisse grâce à toi, euh, ah tiens, tu m'as aidé, euh, mon pote, il a fait ça, ma femme, elle a acheté une Fiat 500 grâce à toi, je vais au resto, il y avait des gars, ils, ils venaient me voir, euh, mec, merci, hein, merci pour le GM. J'ai la voiture dehors, ouais. ouais, ouais je l'ai dehors, viens voir et tout. Et, et en fait, je voyais qu'il y avait un besoin pour beaucoup d'acheteurs, ouais, tu vois, de se dire, ok, il nous faut un mec, il va donner euh, des défauts, il va donner des qualités de la caisse. Je, après, je n'ai pas, pas la prétention de d'être euh, le mec qui va leur donner le bon avis, mais on essaye d'être exhaustif. Tu as donné ton avis. Voilà, je donne mon avis, je suis exhaustif, ce n'est pas le meilleur des avis. Et euh, vraiment, le but, c'est euh, que le mec, à la fin des 30 minutes de vidéo, il se dise Bon, ok, le gars m'a à peu près tout dit sur la voiture, maintenant, c'est à moi de choisir. Ouais, ouais. tu vois. Ouais, tu donnes tous les petits détails. Moi, j'adore ce genre de... Quand, quand tu étais en rush, pleine recherche de voitures, franchement, ça t'aide tellement à guider. C est, c est... Avant, c'était les magazines ouais. auto. Ouais, ouais. Puis, c'est peut-être passé à la, à la télé euh, euh, comme la, la priorité de beaucoup de gens de regarder sur Top Gear, Automoto, etc. Bien sûr. Pour moi, maintenant, c'est des chaînes comme, comme la tienne. Dès que tu cherches une voiture, va aller voir. Est-ce que tu as testé cette voiture euh, voilà. C'est un mix Donc, de tout, je pense. Après, faut, 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 tu vois, certaines, certaines personnes disent Ouais, les réseaux sociaux, maintenant, c'est 100% des trucs. Non, c'est pas vrai. Il hein. y a la télé, tu as la presse écrite. Je pense que faut tout. tout est important. En ouais, fait. Parce que la télé, si je te prends une, mode, une, modèle, une modèle 3, toi, tu vas parler de cette voiture-là. Mais, ouais. exemple, la Automoto, ils vont la comparer à une autre. Et mmh. en fait, tu as deux avis différents, mais avec une comparaison. Ouais, c'est toi, tu fais plus la, la voiture en elle-même. Elle ouais. C'est vrai que tu as besoin de tout. En vrai. Et c'est quand même des mondes complètement différents, le monde de la finance et le monde ouais. de YouTube. Fais, ouais. hein, comment ça se passe les, les, les personnes avec qui tu as travaillé dans, dans ce milieu bah ça n'a ouais. rien à voir. Mais déjà, t es, t es, enfin, moi aujourd'hui, je suis habillé comme ça quand je vais bosser. Tu vois, es avant, sur es un canapé avec nous cravate. à faire un ouais, podcast, ouais, ouais. tu vois ouais, ouais, c'est Après, c'est différent, mais dans l'automobile, en fait, ce qui est bien, c'est que tu as, as des passionnés. Ouais. Tu vois, tu as plein de gens passionnés. Et je fais aussi de la moto, parce que j'aime beaucoup la moto. Et okay. moto, c'est pareil, tu as, as vachement de, de gens passionnés. En finance, <laughs> les gens sont drivés <laughs> par l'argent. Donc passionnés les, passionnés, les passionnés sont un peu différents. Ouais, et tu ouais. fais les la finance parce que, parce que tu veux gagner bien ta vie quoi, en ouais. général. Enfin, il y a des exceptions à la règle, mais, mais voilà. Exactement. Et il y a ce côté passion, c'est quand même génial. Tu, vois, tu te lèves le matin, tu n'as pas l'impression, tu vois, genre, en début de semaine, je suis à Dortmund, tu es payé par un préparateur pour aller essayer une caisse de 1400 chevaux, tu vois. C'est incroyable. Est-ce Est que tu as une ouais. expérience comme ça qui ressort en ça, c'était quand même le truc le plus dingue que j'ai pu faire à travers tout, tout ce... Ouais, il y a pas mal. Bah, comme toi, toi, tu as vécu des trucs de fou aussi, tu vois. Euh, je sais pas, Bugatti, c'était incroyable. 9FF, ouais. c'était incroyable. Moi aussi. J'avais fait chez Lamborghini. J'étais parti chez Lamborghini pendant 4 jours en Italie. Et en fait, j'arrive là-bas et le, le contact me dit, ouais, qu'est-ce que tu veux comme voiture <laughs> Bon, ok mec t'es chez Lamborghini gars tu, on va ouais, ouais, ouais. dire euh, prends moi la première mais dis, -moi, dis moi ce que t'as et ça marche ouais. et euh, je lui fais bah je sais pas et moi je ne vous ai pas demandé tu vois il me dit non mais vraiment tu peux demander bah, et là je, je balance un truc pour déconner je lui fais bah tu me donnes une STO une SVJ et il appelle hey, Mario il appelle un mec et tout il va lui chercher les deux caisses non. et en fait j'avais les deux caisses pendant plusieurs jours tu vois et, euh, et oh, tu dis un mec une SVJ quand même c'est une caisse incroyable, tu vois. Ouais. Une STO, c'est une voiture incroyable. Limite, et comment ça démarre euh... ouais. Ouais. <laughs> Ça marche comment, ce truc-là C'est une voiture ou un avion Ouais, ça, c'était vraiment. Euh, c'est des expériences incroyables. Parce que, en fait, euh, là, on ne parle plus d'argent. C'est-à-dire, euh, même quelqu'un qui est millionnaire, tu vois, euh, ou même milliardaire, bon, il peut les acheter, bien sûr. Mais est-ce qu'il va vivre les mêmes expériences ouais. Tu sais, euh, c'est ça qui est le plus important. Ouais, les money can't buy experience, comme on dit. Exactement. Et t'as eu un, un moment où t'as conduit une voiture et t'as été quand même beaucoup plus déçu que tu pensais. Je sais pas, une voiture ouais. que t'as admiré toute ta vie. Ah bah ouais. ouais. Et et souvent ça se passe. C'est comme que, que... ouais bref. Mais je trouve ça fascinant d'entendre aussi parce que des fois il y a des surprises quoi dans ce genre de réponse. Bah, moi la en fait moi la, la voiture qui a lancé ma passion, bah, mec c'était à Scottsdale tu vois c'est marrant j'étais petit on était en vacances euh, chez un pote de mon père qui avait une testarossa ah ouais. et <laughs> en fait moi j'étais pas intéressé par les caisses enfin c'était pas plus que ça tu vois et le et le mec son pote me dit ouais tu veux qu tu veux faire un tour et moi je connaissais pas tu vois et, et euh, il l'avait fait préparer la caisse elle avait un full tube à l'arrière c'était la, la première testarossa euh, elle avait les elle avait un seul rétro c'était ah oui, il avait fait de préparer et tout, donc je monte dans la caisse et il me fait faire un tour. Mec, j'ai ce souvenir, j'avais l'impression que c'était une fusée. Ouais. Et j'en parlais tout le temps à mes parents, j'avais le poster et tout, tu vois. Enfin, ouais. Ça, c'est le truc fun. à jamais reconduire si, si exactement. Tu as mis, tu as gardé cette et mec, je l'ai reconduite il y a un an. J'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que cette merguez <laughs> <laughs> Qu'est-ce que c'est Ça ne freine pas, ça chauffe, ça accélère. C'est pas incroyable, tu vois, mais qu quand même, c'était beau. A... C'était ouais, beau et c'est une voiture, même maintenant, qui est impressionnante. Ouais, c'est mythique, une Testarossa aujourd'hui. Ah ouais, Par contre, t'as testé une TR Non, jamais. Ça, c'est à faire parce il y a, que y a beaucoup mieux. de différences. Ouais. Franchement, ouais. dans la conduite, t'as as, as le moteur qui a été un peu rabaissé, un peu centralisé, t'as 40 chevaux en plus. Ouais. T'as une certaine adhérence qui, qui, qui est meilleure dans la TR et tu le sens vraiment dans la conduite. Tu sais que a une boîte en Italie qui s'appelle Officine Fioravanti. Je sais mmh. pas si ça vous parle, les gars. Mmh. En fait, ils prennent justement une Testa ou une 512TR, ils changent tout le châssis, mmh. ils modifient le moteur, ils le fiabilisent, ils changent la boîte, parce que la boîte ouais. de vitesse sur une Testa, c'est l'enfer. Et en fait, ils te sortent un truc, je sais plus combien c'est, c'est 700 chevaux avec des trains roulants au poil, tu vois. La prépa, elle coûte 500, bien sûr. Ouais, <laughs> bien sûr. Et, euh, et tu vas sur leur site internet, ils en ont fait une toute blanche. Et le mec était fan de cette caisse et il raconte la même histoire, tu vois. Il a essayé la voiture, il trouvait ça horrible. Mmh. Et il s'est dit, bah, je vais en faire une caisse stylée parce que c'était quand même mon rêve, tu vois. Ouais. Ça Le mérite, ouais, ouais, C'est cool. Ça, il y a de plus en plus. Là, j'ai vu, je ne sais, sais pas comment ça s'appelle. Vous avez vu la Lancia Delta Full carbone moderne, je ne sais pas qui l'a faite, verte. Euh, oui, c'est euh, euh, un préparateur italien, ça. Ouais. Euh, il y a je... des trucs comme ça incroyables. Où il y a David Lee, le collectionneur américain, de fait, américain qui a fait d'une Dino. Il a reconstruit une, une dino. Et euh, moi, j'adore ce genre de truc. Singer, j'ai regardé une vidéo des singers. Ouais, ouais. Les Gameworks, les euh, ça c'est magnifique. Non, jamais jamais essayé. Ouais. À essayer. Ouais. <laughs> non, singer, singer je devais aller chez eux euh, en mars 2020, mais il y avait le Covid, tu vois. Donc ça a été annulé. Puis après, ça s'est pas fait. Mais ouais, ça, ça fait, fait partie cool. de ta liste. Est-ce que tu as une liste de... que j'ai pas encore conduite, que tu aimerais, euh, ouais, euh, ouais, que... aimerais, euh, oui, aimerais. Ouais, j'aimerais bien là. Koenigsegg Jesko. Ça, j'aimerais bien. Commencez avec du léger ouais, j'aimerais bien voiture, écoute, il 3 millions, 4 millions ouais, 3 millions quoi, quoi. Ouais, un truc comme donc, ça, ça, ça Rimac Nevera la, la ouais, la, ça serait fascinant ça. Ça. ça ça doit être cool Singer j'aimerais ouais, bien, bien sûr. Euh, après il y, y a des tu vois il y, y a des modèles j'aimerais bien Roof SCR j'avais essayé la CTR l'année mmh. dernière donc c'est la turbo donc euh, c'est comme une 964 il euh, bon, faut savoir que Roof en fait c'est un vrai constructeur hein, donc euh, ils ouais, reprennent pas une 964 pour la modifier ils, ils font tout eux-mêmes SCR, il y désolé de te couper mes petites histoires parce que je suis un grand fan de Rouf. Parce que quand j'avais genre, je sais pas, 15 ans, quelque chose comme ça, 14 ans, ils étaient au top marks à Monaco. Ouais. Il y avait un peu de tout le monde. T'sais, tu sais, tu démarques à 14-15 ans. Moi, j'avais ma petite tradition. Je me baladais avec un, un, un papier et j'écrivais tous les points positifs et négatifs que je voyais un peu sur toutes les voitures autour. Bref, le gars, de, un monsieur, un Rouf, je sais pas qui c'est moi. Aloïs Rouf. Voilà, moi, mais moi je savais pas, tu vois. Je, je connaissais rouge j'écris mes trucs, mais je savais pas le, le monsieur derrière. Viens me voir et dit « waouh, j'aime beaucoup la manière que tu es en train d'écrire. Bref, euh, on y va et il m'a pris pour faire un tour. Il a vraiment passé genre une après-midi avec moi. Euh, il avait aucune raison de le faire et juste par pure passion, il a vu un jeune euh, qui kiffait qui, qui, qui sa voiture, qui avait qu'une envie, c'était de rouler dans sa voiture. Et donc, c'est incroyable à quel point, genre maintenant, un jour, si je peux, j'hésiterai pas, j'irai directement chez Roof Il a fidélisé un, un client à vie en une après-midi. Lui, il doit pas s'en souvenir du tout, tu vois. Je l'ai pas revu depuis. Euh, et lui, à mon avis, il fait ça euh, cinq fois par semaine, tu vois. Mais j'ai juste trouvé ce geste de prendre le temps dans ta journée, quand tu es dans un événement où tu as quand même payé pour avoir ton, payé stand ton stand, pour rencontrer toi. des clients, de prendre une après-midi avec un gosse parce qu'il a l'air passionné. C'est beau. Et, et cette vraie passion pure, pas filtrée, est transmise dans, dans ses voitures aussi. Quoi. Tu sais, ça vient du fait que Alois Rouf, moi j'étais allé le voir euh, en Allemagne et il m'avait raconté l'histoire de, de Rouf qui, qui est assez incroyable. En fait, son père euh, euh, conduisait un bus à l'époque, il, euh, il était mécano. Il, euh, ils avaient une station essence avec un petit garage, mm -hmm. d'ailleurs qui existe toujours. En fait, tu vas chez Rouf, elle est collée à une station essence. Ouais, qui est... Est, ah ouais. qui, et ça date, je veux pas dire de conneries, je crois que c'est 1939 euh, Rouf, donc c'est plus vieux que Porsche en fait. Ah, c'est wow. assez drôle. Et un jour, il conduisait un bus et euh, il heurte une Porsche 911. Il l'explose et euh, il, bon, voilà, il dit au gars écoutez, moi je suis garagiste, je vais vous la réparer. Tu vois. Donc il répare la Porsche. Donc, ça, c'était le père d'Aloïs roof qui est euh, l'actuel euh, propriétaire. Ouais. Et euh, puis à la fin de la restauration, le père d'Aloïs lui dit écoute, viens, on va faire un tour avec la voiture pour voir si elle marche. Ils vont faire un tour ils devaient faire un tour d'une demi-heure et je crois qu'ils partent. Je ne sais plus, je ne vais pas dire de bêtises, genre trois heures. Tu vois. <laughs> Et normal, euh, ça, dit, ça se comprend. C'est fou et tout, c'est incroyable comme caisse. Et là ils se disent bah on va on va on va préparer des, des Porsche à partir de maintenant, tu vois. Et euh, c'est de là qui est partie la passion. Donc tu t'es vraiment dans une société qui est, est drivée par la, la, la vraie passion auto, ouais. tu vois. Et, et tu le ressens chez eux. Lui, tu vas à son usine Roof, c'est lui qui te fait la visite. C'est ça qui est Il font. connaît les boulons par cœur. Il te dit ouais ça non machin. Il passe dans les allées, les mecs se prennent des douilles. Quand ils font des conneries. Non, là, le boulon numéro 8, tu me le mets à l'arrière de la voiture. T'étais là... Ouais, ouais, le gars, Donc, il est au courant tout, de tout. Et surtout, c'est pas des voitures voyantes. C'est vraiment, enfin, si, si, si tu connais pas Roof, tu la vois passer, c'est une vieille Porsche, voilà. Ouais, si ça. tu connais, tu vois le truc passer, tu sais que t'as un mythe devant toi, quoi. Ouais, ouais exactement. Ouais, ça vaut combien ça. une voiture comme ça par Bah, ça dépend, t'as des grosses fourchettes, voilà. C'est 800 euros en Europe ou ouais, aux États-Unis ouais. États ouais. aussi. <laughs> ouais, ouais c'est Aujourd'hui, aujourd enfin, aux États-Unis, Roof, ça a explosé, c'est de la folie. Et en ah oui. Europe, c'est ah, genre Tant mieux pour Les Etats-Unis, c'est plus. Peut-être un million. Tant mieux pour eux. eux hein, franchement, s'il si, si, si y a des personnes qui, euh, qui beau, devraient hein. avoir ça, c'est C'est aussi... beau, hein, J'ai que qu -ce. une question. Est-ce que tu t'es déjà fait peur dans une voiture que tu as testée euh, ouais, 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 forcément. Euh... <laughs> c'est un... Ouais, tu ouais, ouais, ouais. est tu as cette anecdote que tu peux révéler ou pas Il y en a une non, mais... Non, il y en a une vraiment pas. <rire> <rire> non, non, pas avec la M4. Euh, après, euh, après, ouais, il y a euh, à des moments, tu, euh, tu commences à prendre des vitesses, il se passe un truc sur la route euh, complètement improbable. Et, euh, et, Comme ouais. tout le monde, quoi. Hein, tu ouais, fais... voilà, et genre, tu tombes sur le mauvais truc, la voiture glisse. Et, euh, ouais, après, sinon, des... non, j'ai eu des petits, euh, des petits cartons, mais c'était jamais de ma faute. Ouais. Donc, euh, voilà. Donc ça, vous va. êtes assuré à fond et tout, j'imagine, pour faire des ouais, essais en fait, comme bah, ça. Alors, faire la logistique en fait, derrière doit être quand même assez impressionnante, non Sur les assurances, alors ce qui est assez marrant, c'est que beaucoup de créateurs de contenu ne le savent pas, mais euh, y a pas toutes les voitures sont assurées tout risque. Mm -hmm. Donc, euh, en fait, il y a des caisses, il y a des événements qui ont lieu où on te prête des voitures, où tu fais une prod à des moments. Enfin, moi, moi, je fais des prods, non, 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 on me prête plus de voitures, mais euh, tu vas essayer une caisse et puis elle est assurée au tiers. Alors nous, on a une assurance complémentaire là-dessus et euh, je suis assuré jusqu'à 650 000 euros, je crois. Et au-delà de 650 000 euros, je paye à la journée, mais c'est cher. Hein, euh, moi, je paye 1300 Bien euros sûr. la journée, mmh. au-delà de jusqu'à 3 millions d'euros. Euh, et avec Bugatti, par exemple, alors eux, ils sont en tout risque, ils ah, ont okay. une assurance spécifique. <laughs> c'est Bugatti, quoi. Dieu merci. <laughs> Parce que là, tu fermes ta boîte, hein, ouais, tu voilà. fermes ta boîte ah, là, et fini. tes enfants payent. Ah ouais. <laughs> exact. Ouais. Non, il faut, il faut vraiment y penser, c'est des détails comme ça. Auxquels, euh, la, la logistique qu'il y a derrière ouais. euh, d'avoir de une chaîne comme la tienne, euh, tu voyages de partout, enfin là tu es venu ici pour 2-3 pour jours, il euh, tu, tu, y, y a les assurances, il y a les tournages, ouais. quand est-ce qu'on poste quoi, quel genre de vidéo, ouais. maintenant il y a les shorts. Ouais. Euh, Est-ce est est que société, ça t'a surpris quand ouais. t'es rentré là-dedans, quand t'es venu de la finance Ben bah, en fait au début, je t'avouerais que comme je connaissais rien, je savais pas ce que c'était. Hein. Moi je, moi je pensais, bah, moi je te suivais déjà depuis longtemps, tu vois. Moi quand je voyais des cool. youtubeurs euh, comme toi, euh, moi j'étais persuadé que toi tu, les mecs toi ou d'autres, vous preniez votre portable et que des... ça se faisait en 20 minutes. Ouais. Je te jure. Et puis j'ai fait un premier tournage, j'ai fait, mais c'est hyper chiant. <rire> <rire> Je mettais genre 5 heures à le faire et tout, et puis maintenant on met, on met un peu plus de temps, tu vois, la M3 Touring, on a mis, euh, ben, on a dû mettre 5 heures. Moi j'ai trouvé ça assez rapide en vrai, ouais. vous étiez là pour le déj. Euh, ouais. euh, donc euh, ouais, il y a ça, on a une équipe, maintenant on est 8 hein, dans la boîte. Okay. Donc, les gens pensent que tu es seul, mais non, quand j'ai un mec qui est spécialiste euh, dans l'écriture des scripts, tu vois, il m'écrit des scripts, euh, j'ai mon chef de projet que tu as rencontré, Quentin ouais. Il euh, y a mon associé, parce qu'on est associé dans la société, Romain, qui s'occupe de la partie commerciale. Euh, on a une personne qui s'occupe de la logistique. On a des caméramans, monteurs. Donc, tu as, 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 as vraiment une équipe derrière. Sinon, tu peux pas. si tu, tu, tu bosses 20 heures par jour, sinon, c'est impossible. C'est ce que tu disais au début, toi, que bah, tu as fait comme un burn-out à un moment donné à cause de ça. Quoi. Ouais, complètement. Tu essayes de faire tout, surtout quand tu commences seul, c'est dur. Toi, tu toi, es, es venu. Enfin, moi, je n'avais pas d'autre expérience, tu vois. C'était ouais. mon premier euh, vrai taf, quoi, mmh. si tu peux appeler ça un taf. Mais euh, donc, euh, j'avais fait un truc euh, euh, aux États-Unis pendant six mois où je faisais 9h jusqu'à 18h. Mais bon, c'était plus un, un stage. Bref, tu arrives là-dedans. C'était quelque chose que je faisais purement par plaisir. Et donc, je n'avais pas pensé à ces trucs monteurs, etc. Quand j'avais commencé, il n'y avait que YouTube il n'y avait même pas vraiment un insta, insta euh, sur lequel tu postais puis d'un coup il y a Facebook vidéo puis il y a TikTok, puis il y a les shorts puis il y a les podcasts ouais. a les nanana. ça commence à faire plus et il faut, faut juste y penser c'est sûr que je pense que tout créateur à un moment fait un burn out euh, créateur de contenu c'est une ouais. mauvaise stat mais c'est juste que tu, en fait, tu vas te pousser et c'est tellement instantané les résultats tu vois il y a des travaux où tu vas faire ta start-up, tu vas bosser pendant un an et demi, et là tu vas avoir des résultats, ou deux ans, ou trois ans, ou même beaucoup plus. Tandis que YouTube, tu mets une vidéo, pas pam, résultat. Et tu, tu, tu passes trois jours à bosser, bosser sur une vidéo, l'instant que tu l'as postée, c'est quoi la prochaine Tu vois y a, Tu limites, tu, tu, enfin, tu regardes un peu la performance, mais directement tu passes au prochain truc. Donc c'est non-stop, tout le ça temps, tout le temps, là. tout le temps, tu t'arrêtes jamais. Et ça devient un peu addictif. C'est ça le truc. Je trouve que c'est un milieu qui s'est quand même vachement professionnalisé. Ouais. Oui, que, beaucoup, ouais. tu vois, en l'espace de trois ans, il y a eu un avant-post-Covid presque pour moi, tu vois, il y a eu une évolution. Euh, les constructeurs s'en rendent compte aussi. Tu vois, les constructeurs, les acteurs de l'automobile, ils se rendent compte que, ben bah, voilà, quand, quand t'appelles quelqu'un, qu'il fait venir une équipe, euh, que tu as un travail qui est fait, que tu as de l'audience, que ça t'amène de la notoriété, tu travailles mmh. ta considération, tu peux même faire de la conversion et de la vente. Bah forcément, euh, tu vois, ça, ça a upgradé, je trouve, l'image que les réseaux sociaux avaient auprès des acteurs de l'automobile. Oui, ah, c'est ah ouais, sûr. Et ça, ouais, c'est important. Tu penses notamment, euh, là, par exemple, le Puro Sango les premières sont en train d'être euh, livrées. Ouais. Aujourd'hui, euh, cette semaine, je crois que j'ai vu au moins euh, cinq créateurs de contenu avoir une Puro Sango à tester euh, pour. Traité par Ferrari ou quoi. Ouais. Et tu vois que les marques aujourd'hui sont obligées de faire ça. Ouais, bien sûr. Parce que ça, 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 ça touche une audience que sinon ils il, il n'y arriveraient bah, pas à dans les toucher. Tous les cas, presque. La, Je suis d'accord. La plupart des pluros sangués sont vendus à des gens qui regardent peut-être même pas les. Les vidéos, les ci, les ça, vu mmh. que c'est que des collectionneurs, ils n'ont sûrement pas le oh, temps. Il a de... quand même. Tu sais, aujourd'hui, il y a 68% des, des acheteurs, des intentionnistes d'achat. C'est une vraie stat hein, qui, a été, qui a été diffusée mmh. par Cantar Interactive. Euh, qui consultent des vidéos avant de prendre leur décision d'achat. Oui, mais sur des modèles aussi euh, bah, exclusifs bah, bon. Je pense sur en des modèles, modèles oui, exclusifs. Ouais. Même limite encore plus. Ouais. Si, Alors, mais avant d'acheter une, une voiture ça. comme ça, tu fais Purs bien. C'est un peu différent. Ils sont oui, tous vendus. C'est euh, des, ou... des voitures limitées et tout. Ouais. Donc là, le fait que tu as des créateurs qui les testent, à mon avis, c'est plus pour le côté partage avec l'audience. Et en plus, ils savent que ça va faire des chiffres. Donc voilà, pourquoi ne pas le faire Pour Ferrari, ça fait du bruit aussi. Donc là, tout le monde est gagnant. Mais après, tu as certains gars comme CarWow, Car, ils viennent, ils, ils testent des voitures, euh, n'importe lesquelles, qui sont toujours en production, que tu peux encore co commander. Enfin, toi aussi, hein, je veux dire, mmh. dire c'est l'aspect ultra intéressant chez vous pour ces constructeurs aussi, je pense. Oui, complètement. Ouais, a, Mais... euh... oh, non, Vas-y, vas-y. Vas parce que moi, j'avais parlé, de... j'avais passé à un autre sujet, c'était du style. Euh... Moi, j'aime beaucoup une voix parce que je regardais beaucoup ces vidéos en fait. Je regardais beaucoup beaucoup ces vidéos parce que quand je regardais les voitures qui m'intéressaient, je regardais tes vidéos et du coup, il y en a une qui m'intrigue, c'est la Lotus, la nouvelle Lotus, je sais pas ce que vous en pensez. Le SUV Non, la petite. Ah, la petite. Euh... ah mais moi je ne je l'ai pas encore essayé. Ouais. Tu l'as essayé toi, Seb euh, non, j'ai j'ai suis cool, allé dedans, moi. je me suis assis dedans etc. mais je l'ai au launch, hein. non. Euh, il y a une soirée de euh... lancement ou quoi Mais là on parle de la Emira. La petite, non, la, la nouvelle petite là, j'ai plus le nom. Je, je sais pas comment elle s'appelle. Je il euh... y a deux jours, euh... non, non, ils commencent à les livrer là, c'est pour ça. Bah, et là, ils ont une stratégie euh, un peu plus euh, large, quoi. Parce qu'ils se lancent dans le SUV, aujourd'hui, Lotus. Oui, mais ils ont été rachetés, et là, ça change complètement. Ouais. Ils ont été rachetés par Geely, je crois, ouais, non exactement, c'est ouais. chinois, maintenant. Ouais, ouais. c'est chinois, Lotus, maintenant. Bah, je me rappelle, moi, l'époque, quand, quand j'avais eu la chance d'en commander une, d'en acheter oui, là, une, et d'aller la chercher euh, à, à l'usine, t'arrivais et tu, tu ressentais le manque de fonds en termes d'argent ouais. Et donc, euh, mais donc tout le monde était super sympa etc et, et, mais tu croisais des usines à moitié finies tu vois ils disaient là on a commencé la construction sur cet immeuble euh, il est à moitié fini, trois quarts fini et plus d'argent, on, on peut plus le finir puis euh, c'était triste mais moi je parlais avec des gens de l'équipe de com et tu revenais deux mois plus tard ils étaient plus là parce qu'il fallait que l'équipe tu ressentais vraiment les soucis financiers et, et voilà, après ils se sont fait racheter et maintenant. C'était euh... un marché de niche. Hein. Là pour le coup, on parle d'un business ouais. de passionné. Quand tu fais un business ouais. de passionné, faut pas penser à l'argent. Ouais. Surtout Lotus, c'est la marque de légende. C'est ouais, pour ça que les gens achetaient ça aussi. Bah ouais. Ouais. À rouler, sensation au volant. Ouais, incroyable. La meilleure voiture que... Une des meilleures voitures que j'ai roulées de ma vie. la exige 380 Sport ouais. C'est exceptionnel. Genre, t'as as envie de mettre quelqu'un dans une voiture sur une petite route de campagne et dire, je kiffe. Genre... Là, tu vas sentir ce que c'est de conduire une vraie voiture de sport. Bah pour moi, c'est la quintessence de, du sport automobile. Mmh. C'est léger, c'est puissant, c'est bas, ça freine fort, euh, c'est très 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 endurant. Mais alors très 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 endurant. Les gens s'en rendent pas compte, mais tu prends une Ferrari ou une Lambo tu vas sur un circuit et tu prends une Lotus euh, Exige de base. Tu peux, tu, la Lotus sans déconner, tu peux faire des sessions de 20 tours. Ah oui. La Ferrari, tu fais 20 tours, mon gars. Euh, T'as <laughs> intérêt à lui faire souffre. faire une pause parce ouais, qu'elle ouais, ouais. va, elle va crier ouais, Et ouais. c'est vraiment ça. Ouais. Et, et, et l'exemple, moi, un truc que j'ai trouvé trop cool, c'est quand j'ai commandé la voiture, tu arrives et ils me font, ben bah, vas-y, tu sors la voiture, on t'a fait le rodage, tu peux rouler sur le circuit. Ils ont un circuit chez eux. Là, tu vois, et là, ouais, tu ouais. vois vraiment, c'est incroyable, le, le, la passion comme ça qui... Qu ce qui me fait rire, c'est autour, au en parlant de lotus, au Tour auto, par exemple, tu as des, des cobras, des, des types euh, E de, de, de compétition qui tournent sur le circuit et tout. Mais les caisses qui les suivent de près, c'est pas des 911 ou ça, c'est des Lotus Elan sur ces caisses de l'époque. C'est parce qu'elles prennent beaucoup d'élan. <laughs> 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 ça a une dextérité <laughs> euh, sur circuit, même dans les dans les spéciales et tout. Et oui. tout le monde a un peu oublié ces caisses. Ouais. Mais quand tu les vois tourner, euh, tu te dis putain, ça c'était quand même des caisses qui tournaient. Mais, ah mais ouais. euh, en, en fait, le, tu sais, quand tu prends un peu de recul, tu te rends compte que les voitures de sport. Euh, des années 70-80, c'était des voitures légères. Ah ouais, ouais, bien sûr. Et aujourd'hui, tu regardes le marché des, des nouveautés. T'as quoi en voiture légère Ils pas peuvent pas, c'est pas, pas eux, c'est les règles. Quoi. Moi, la dernière voiture légère, et elle fait quand même déjà une tonne 3, ouais, je crois une tonne 2, une tonne 3, c'est la euh, GR86 de Toyota. Mmh. Ouais, oui, ok, ouais. Qui a une super caisse tu vois. Et euh, c'est une des voitures les plus légères du marché, mais ça pèse une tonne 2. Il ouais, y a tout l'électronique ouais, et tout en plus dedans maintenant. c'est pas une Paganisonda en 99 quand c'est sorti c'était une tonne 2 une tonne je crois ouais. t'imagines avec ouais, un V12 je... à Atmo ouais. Ouais, mais là, là t'es sur un autre délire parce que bon c'est full carbone etc mais regarde moi la M3 elle fait 1900 kilos 1940. Il faut, il faut que tu cette, cette petite Lotus là. Ça m'intrigue vraiment. Ouais, ouais. La petite. Le, là... pour nous. Ouais, bah, le pour je nous. Je vais les appeler. Peut... c'est marrant parce que j'étais en discussion avec eux il y a pas longtemps. C'est la Emira, ouais. Mais elle est, on va, elle on va la faire stylée. Hein. Ah ouais, elle est super belle. Est su... Je l'ai vu il y a deux jours. Bah, là, pour... en fait, je les ai vus... Ça fait deux jours, que je les vois, je les vois. Ils se font livrer à Monaco parce qu'il y a la concession. Et là, j'en ai croisé une en venant ici. Beau, hein. Et c'est pas, enfin, je trouve ça joli, quoi. Ouais, ouais, plein, ils sont des belles caisses. Ils ont un faire... là, là, tu vois tu dis, je vais les appeler. Ça doit quand même te faire euh, euh, bizarre. Et aussi, ça doit être une sensation incroyable de pouvoir te dire, ouais, si j'ai envie de conduire une voiture aujourd'hui, il y a des chances que je peux. Bon, on parle pas nécessairement Koenigsegg, Pagani, etc. Il y a ouais. toujours des complications. Mais toutes les, les voitures un peu plus abordables, tu peux aujourd'hui appeler et la tester, quoi. C'est quand même fou. Ouais, ouais, bah c'est en fait quand es Mais ce qui est, qu est drôle, souvent on me pose la question, mais comme à toi, ça doit te faire pareil. Euh, Est-ce que ça te fait toujours quelque chose de conduire une caisse Mais ouais, mec, moi, tu, tu vois, il n'y a pas longtemps, j'ai essayé une Clio RS, euh, phase, euh, la, la toute première. La donc. phase 1 Ouais, 172 chevaux. Ah. Mec, c'est <laughs> ouf à conduire. Ouais, ouais. C'est incroyable. J'avais un copain qui avait une vieille Z3 de Lit 8, il y a deux ans. Je conduis sa caisse, je me suis éclaté à la conduire. Donc ouais, ça me fait toujours quelque chose. Et ce qui est assez marrant, c'est que c'est euh, souvent des voitures qui ont quelques années qui me font quelque chose. Ouais. Parce que les nouvelles de voitures, plus elles, en sont, en plus. elles sont aseptisées. Yeah. Tu vois, tu prends une... Euh, même la dernière 911, 992, tu prends une Carrera 4 de base, sans l'échappement sport. C'est une super caisse. C'est incroyable comme voiture. Moi, j'adore. Mais niveau sensation, c'est aseptisé. Et aussi, c'est enfin, c est, c est, les voitures sont tellement plus chères. Ouais. Donc tu dis à ce prix-là, c'est une super caisse, mais à ce prix-là, si tu vas un peu old-timer, si tu vas dans des trucs un peu plus classiques, t'as as quelque chose de très très violent qui va ah, te bah donner, ouais. qui va te mettre une claque à chaque fois que tu rentres dedans. Ouais. Moi, moi j'étais euh, jamais un gros fan des classiques, des old-timers, etc. Je voulais tout ce qui était moderne, je voulais les gadgets, la technologie, ouais. etc. Et puis tu m'as rencontré. Et puis voilà. j'ai rencontré Cédric. <laughs> non, et franchement là. Euh, je, je, je vois exactement ce que tu veux dire j'ai un respect énorme pour toutes ces voitures modernes mais ça me donne pas envie de dépenser mes sous pour lesquels j'ai bossé sur c -c certaines de ces caisses là tu vois. tandis que quand on, là on a roulé dans une 993 l'autre jour ça je rentre dedans je la vois et je me dis putain là, là j'ai juste ça me donne envie de dépenser même des sous que j'ai pas tu vois, ouais. pour l'avoir et c'est ça la différence et c'est pour ça qu'il y a un engouement énorme et tu vois le, le prix des caisses euh exploser ouais. sur des, des voitures voitures qu'on 5 10 ouais. 15 20 ans comme jamais on l'a vu euh, auparavant. Ouais. les young timers sont en train d'exploser ouais, ouais. c'est ça qui est chiant genre là ouais. on arrive un peu plus on arrive ouais, ouais. voilà on arrive à l'âge où tu peux commencer à peut-être y penser un peu et, et ils ont explosé et tu vois ce qui est intéressant je pense, ça nous fait quand même euh, quand tu prends un peu de recul sur ça tu prends une vue aérienne euh, sur ce sujet tu te dis euh, que ce n'est pas forcément les chronos ouais. ce n'est pas la puissance qui, fait, pas euh, du qui, tout. qui te donne du plaisir des mmh. sensations de l'émotion mais que c'est peut-être autre chose. Tu vois, comme par exemple déjà euh, des voitures qui font du bruit, mmh. des voitures qui, qui sont euh, brutes, euh, tu vois, des voitures qui transmettent, euh, avec lesquelles tu communiques, euh, qui t'envoient te, qui te, des sensations, qui t'envoient des feelings. Quoi. Qui... Et, et c'est vrai que ça, on, on l'a un petit peu perdu dans certaines catégories de voitures. Complètement. Euh, au détr au, bien sûr, au bénéfice, pardon, j'allais dire au détriment, au bénéfice de la sécurité, de l'insonorisation. Mmh. Euh, bon, voilà, il y a quand même des bonnes choses qui sont arrivées dans des voitures récentes, il ne faut pas non plus dire le contraire. Hein. Ouais, c'est essentiel. Bah, en fait, c'est comme du, du lundi fort. au vendredi, c'est super, c'est complètement logique. Ça, c'est dans un monde idéal, là, dans un monde de rêve. Du lundi au vendredi, quelque chose de très moderne, toute la sécurité. Si tu as des enfants pour les amener à l'école, etc., tu as vraiment envie d'avoir euh, toutes ces nouvelles technologies. Mais par contre, du vendredi soir au dimanche soir, si tu as envie d'avoir des sensations, pour moi, il faut, il faut aller un peu en arrière. Et c'est même ce truc de, de... Elles sont pas toutes les mêmes, tu vois. Tu peux acheter ta oldtimer timer et il y aura une certaine manière de la rouler, une certaine manière de la démarrer, tu vois. Elle se chauffe d'une manière. Et plein de choses où, où tu apprends la voiture. Et tu as un peu perdu ça dans les trucs un, un, un peu plus modernes. Ah oui, et vrai, et, et c est, c est, ça devient genre un, comme un pote, limite, tu vois. Oui. Tu, tu sais comment euh, la rouler, tu sais, tu sais ce que tu dois faire avec. tu... Ça te donne plus envie de t'occuper la voiture. Comme tu peux voir, je suis complètement converti ouais. et j'ai trop envie de pouvoir vivre ça. En plus, ce truc de. Ça devient tellement. On va pas se mentir, ça devient de plus en plus strict sur les routes. Donc, euh, les trucs là, qui commencent à avoir euh, tellement de puissance. Enfin, c'est de plus en plus compliqué de vraiment ouais. trouver les sensations. Tu vois. Et c est, c est, mmh. tu, par exemple, tu prends un, l'exemple d'une Porsche, une 992 Turbo S de base, hein, pas une 1200 chevaux. Ouais. Euh, une 650 chevaux, qui est une voiture incroyable, ça fait 2 secondes 7, de 0 à 100. C'est une voiture folle. Moi, c'est une de mes voitures préférées, pour te dire. Mais par contre, euh, pour sentir des, des sensations moteur, mec, t'es à 180. C'est ça le truc. Hein. C'est ça le truc. Alors que tu conduis. Euh, il n'y a pas longtemps, j'ai conduit une MX5 euh, oh. première génération. Ouais. Mec, je roulais. <laughs> j'avais l'impression d'être à 200, genre à le compteur 75. Fais, ah ouais, il se passe rien. Ouais, en fait. Amusant, ça, Et ouais. c'était super amusant. Euh, déjà, tu es à l'air libre, la voiture, elle avait un échappement modifié, elle faisait un bruit de malade. C'est une voiture, je ne connais pas la puissance, ça a 100 chevaux, 100 ouais. chevaux, c'est pas incroyable. Et eh bien tu kiffes. Ouais. C'est un peu comme Lotus. Hein. Ouais. Euh, les Lotus Et Elise. Euh, tu... Moi, la première, j'avais 130 chevaux, je crois, euh, la Elise Club Racer. <laughs> vraiment des fois j'avais l'impression que j'accélérais mais pendant des minutes, tu vois pas des secondes mais des minutes et je regardais le compteur j'étais à 85 ouais. et... <rire> 50 <rire> 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 60 comme ça mais trop bien parce que sur des petites routes t'étais vraiment là t'avais l'impression d'être à bloc quoi et, et c'est pour ça que j'en reviens à cette voiture parce que je trouve que maintenant on est très dans le confort moi j'aime trop le confort comme tu dis la semaine ouais. De pouvoir téléphoner machin d'être enfin que ça soit simple, mais par contre, c'est vrai que je pense que Lotus ils ont ils ont cette faculté de faire des voitures où tu peux t'amuser, pas forcément avoir beaucoup de chevaux. Ouais. Donc, je sais pas combien a de chevaux la Emira mais non, la Emira ça commence à être à, Ça m'intrigue, commence, ça commence, ça commence ouais, voilà savoir si quand ils ont passé le cap, s'ils ont gardé cette identité de pouvoir euh, s'amuser à pas forcément en allant vite. S'ils ouais. si sont capables, bah, je pense. Cap je, je pense que nous, on en revient toujours à cet exemple, mais la voiture en termes de sensations légères qui te provoque tout ça et qui te sort, tu sors de cette voiture, tu en veux plus, tu vois. Même malgré le fait que tu n'as rien dedans, c'est une, une cobra. Ah ouais. Prends une cobra. même tu as une, une Twizy. Non, ouais, c'est vrai que la Twizy pour le non, coup. C'est sûr que c'est pas accessible en fait. à tout le monde et quoi, ouais. mais tu peux prendre une continuation qui, qui, a peu, qui, qui, qui est très 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 similaire aux voitures de l'époque. Et ça, c'est une caisse qui fait 950 kg pour 500 chevaux. Bon, ouais, après, ça c'est de incroyable. la folie et furieuse. Ça, ça, mais c'est en termes de sensation, tu sors de là, t'as rien dans la voiture, t'as pas d'assistance, t'as rien du tout. Tu sors de là, t'es en sueur, mais t'as passé euh, le meilleur moment de ta vie, quoi, à rouler avec ça, quoi. Parce que c'est sensationnel, quoi. Exact, et, ouais. il faut... et ça, ça, ça n'existe plus aujourd'hui. Ouais. Ça n'existe plus. Voilà. Les voitures qui peuvent Ils se procurer imprimant. des sensations comme ça. Puis t as, t as ce côté, tu vois, tu me posais la question, les voitures qui m'ont fait peur. Mm. Ben bah ça, ça fait. On peut dire ce qu'on veut. Tu conduis une cobra euh, les 5 premières minutes, euh, tu transpires. Hein. Ah ouais, ouais. ouais. Ah euh, ouais, tu... A... ouais tu ouais, tu plus ouais, t'es pas bien quoi. T'es pas bien, t'es <laughs> pas <laughs> sûr <pas rire> du tout, tu vois. Par contre, mm. une fois que tu, une fois que t'as maîtrisé la, la, la t'as compris la voiture. C'est tu... juste quelque chose qui est presque inégalable, moi je dirais. T'as vu, Siska, elle est d'accord. Qu'est-ce que t'en penses, Siska ouais Siska, voilà. elle a fait quelques tours avec la GoBra. Ah ouais, ah ouais. <laughs> Elle sa Tu sais, à chaque fois que je vais dans une voiture, elle saute direct. Ça, c'est l'une des seules voitures où elle. Elle hésite avec le peu, bruit et C'est <laughs> ce qui <Ouais>. arrive. <laughs> mais euh, Nico, on, on, on va malheureusement devoir finir cet épisode, euh, épisode maintenant. Après, nous on va continuer, on va aller déjeuner, etc. ensemble. Mais. Tu reviens quand tu veux, c'est un plaisir. J'ai encore 1600 questions ouais, à demander vrai. et ça me, fait, ça, ça me fait du mal de devoir couper les caméras euh, pour, euh, pour ça, mais... Tu reviens, on se refait un autre épisode parce que bah, je grave. sais que tu as plein d'anecdotes. Tu nous racontais les trucs l'autre soir. Bah, merci euh, en tout cas à, à vous, fond. les gars. C'était très cool de vous recevoir dans votre podcast. Ça... Et puis euh, la prochaine fois, on pourrait grave aller, euh, bah, tu vois, faire justement écrire, euh, écrire un pan de notre histoire. Ouais, <laughs> Alors, on a, en allant chez 9FF, ce serait marrant qu'on y aille ensemble. ah ouais, ouais, ouais. Et on essaie une caisse de 1200 ou 1400 chevaux. Ça tu serait vois. trop cool. Et non. je pense que ça, ce sera le genre d'anecdote euh, qu'on pourra Après, on pour revient, on se fait ouais. le podcast à, juste après dans la voiture en train de rouler tu sais. <rire> <rire> ouais. Putain. mais voilà. euh, non c'est un plaisir de t'avoir enfin tout le monde si vous regardez si vous écoutez parce qu'on est sur euh, YouTube sur Apple Podcast sur Spotify sur Deezer mais pas sur iTunes vous pouvez aller sur Nico le vendeur auto tous les détails seront en dessous dans la description euh, si, je suis sûr que vous avez déjà vu une de ces vidéos. Si vous ne l'avez pas encore vue, allez-y, abonnez-vous. C'est vraiment une, une, une référence dans, dans le monde de l'automobile. Donc, euh, merci d'avoir pris le temps d'être là avec d nous. C'est cool. Et la famille. Plaisir. On vous dit à très bientôt. Ciao. ciao, ciao, ciao.